Page noire du côté Conseil national du patronat du Mali, qui perd un de ses valeurs lieutenant, Boubacar Toutou Kanté, puisqu'il s'agit de lui, premier vice-président chargé du transport du bureau du CNPM. Membre du Conseil national des bureaux de placement du Mali, CONABEM, s'en est allé à jamais ce mercredi 14 février 2024 à la suite d'une courte maladie. Les obsèques ont eu lieu ce vendredi 16 février en son domicile à Calaban. On notait la présence d'une très forte délégation des membres du bureau et du secrétaire général du CNPM conduit par son président Mossadegh Bali, qui retient de l'illustre disparu un homme humble, affable et très dévoué pour la cause du secteur privé malien. D'abord, j'aimerais m'incliner devant la mémoire de notre compagnon, prier Allah subhanahu wa ta'ala de l'accorder le paradis éternel, de lui pardonner tous ses péchés, de faire en sorte que sa famille, ses enfants, ses parents puissent vivre avec le souvenir d'un homme qui a fait son devoir sur cette terre. Paix à son âme et que le Jannat al-Firdous soit sa dernière demeure. Boubacar Toutou Kanté était un élément majeur du CNPM. C'était un homme de conviction, un homme très engagé, mais surtout un homme très généreux. Et j'ai eu à l'apprécier, j'ai eu à côtoyer un homme de grande conviction, d'engagement, sur lequel on pouvait totalement compter et auquel on confiait souvent des missions très très difficiles, mais qu'il menait toujours avec brio. Le CNPM, le secteur privé malien, le Mali tout court a perdu un digne fils, a perdu un grand entrepreneur. À son épouse, durement éplorée, j'adresse les condoléances du CNPM, les condoléances de tous les groupements professionnels et des CPR membres du CNPM, de l'ensemble du secteur privé malien, à elle, à ses enfants, aux frères et sœurs, aux parents, aux alliés, à toutes les familles alliées à Boubacar Toutou Kanté, à tous ceux qui l'ont connu, à tous ceux qui le pleurent aujourd'hui, y compris nous, les membres du bureau du CNPM, nous adressons nos sincères condoléances. Nous prions Allah subhanahu wa ta'ala que le paradis, les portes du paradis lui soient grandement ouvertes. Nous prions Allah subhanahu wa ta'ala de mettre la baraka dans sa famille, de donner les bénéfices de ses bonnes œuvres à ses enfants et à son épouse. Et je prierai le bon Dieu que cette épreuve inévitable qui est la mort, parce que le Coran dit Kullu nafsi zaiqat al-maut, chaque âme goûtera à la mort, mais que cette épreuve nous trouve tous sur le droit chemin et qu'on fasse autant de bonnes œuvres que notre regretté frère et compagnon Boubacar Toutou Kanté. Dors en paix, président Boubacar Toutou Kanté, vous aurez été utile pour la nation.